Salut tout le monde, c'est Kim Scooters. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube accompagnée des deux loustiques, Aurélien Larue juste ici et Lolo Loloni, mon ref. Donc lui les gars, c'est un des meilleurs riders en Suisse. Donc les gars, vous êtes obligés d'aller checker l'insta de Loloni et celui d'Aurélien Larue bien sûr. Vous le connaissez, c'est regardez lui. La vidéo juste là que ça affiche. Exactement, la hauteur en plate pour ceux qui ont vu. Voilà, on fera une partie 2. On la fera un jour. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un vlog au skatepark de Sérignan. Donc c'est à peine derrière. Là. Ouais, il est juste là, vous allez voir. Donc voilà, pour ceux qui connaissent le parc, les gars, vous avez capté le parc avec le mur vert. Tac, 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 c'est carré. Les gars, je vous fais une démo parce qu'il faut... Ouais, vas-y, Aurélien, il va faire une démo. Mais juste avant les gars qu'ils fassent la démo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Lâchez votre meilleur pouce bleu si la vidéo vous plaît. Et mettez-moi en commentaire des idées de vidéos. Bref, tout ce que vous voulez en commentaire, je réponds à tous les commentaires sur la chaîne YouTube, vous le savez. Donc voilà, maintenant on se retrouve pour la petite démo là du petit Aurélien Larue. C'est parti, après on se fera des clips, des défis, vous avez capté. Donc là, la vidéo commence. Let's go. Alors les impressions du parc là? C'était facile. Facile? T'aimes bien le parc toi? Franchement je kiffe, les gars, j'ai déjà roulé. C'est dinguerie les gars. Meilleur skatepark de France en extérieur. Eh, sur 10 tu notes combien? 9. 9 sur 10? 9 ah sur c'est 10. Carré. Toi Luni, t'as pas encore roulé le parc mais vas-y, tu donnes combien? 7 sur 10, mais t'es un fou. Mais lui vas-y les gars, lui c'est un Suisse, eux ils roulent des skateparks crazy tous les jours. Ils sont à 5 mètres du parc et tout, enfin bref c'est n'importe quoi. Vas-y t'es. Vas-y, là tu frère. Bon les gars vous savez hein, c'est un skatepark local, skatepark loco, vas-y c'est pareil, t'as capté. Et en vrai je te donne 9 sur 10 en vrai, je vais vous mentir. Donc là maintenant on va passer au clip avec les deux loulous. Donc les gars, échauffement et après on passe sur des défis. Genre Adon, Alineo, vous avez capté les petits défis. Donc c'est parti, maintenant on se retrouve pour les clips sur le skatepark. Flair sur la combe, flair sur la combe. Voilà. Oh là 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 là. Wow, qu'est-ce que c'est beau. Wesh. Bah quel bâtard. Ah, line. T'es obligé. Yeah. Oh il est mort au skatepark. Le vent c'est une racaille. Ouais j'avoue. Qu'est-ce que toi. Oh, je pense que tu peux l'insulter le vent. Oh. Mais quoi? J'avais pas de genouillère, j'ai oublié ça. On cite genouillère, pas genouillère, lui il est bizarre. Dites dans les commentaires s'il vous plaît comment vous dites genouillère, c'est genouillère. Attends, genouillère. Les gars, moi je dis genouillère. C'est genouillère. C'est genouillère. Ah, dites en commentaire c'est genouillère ou genouillère. C'est genouillère. Votez genouillère dans les commentaires. Je vous jure, c'est genouillère. Il a failli crever là. Moi, je viens vous voir en slip les gars, mais c'est pour vous dire que les banques jus d'orange c'est mieux que les boissons énergisantes. C'est pareil en fait, ça vous fait le même taux d'énergie quoi. Ouais les gars, buvez du jus d'orange, moi je bois du jus d'orange. Le innocent, plaçant de produit pour innocent les gars. Et du café. Bah non, pas café. Si, si, c'est bon. Bien sûr. C'est dégueulasse mais c'est bien. Écoutez pas le nid, lui il a des mauvaises, mauvaises alimentations, vous comme avez capté. Moi j'aime quand tu fais ça. Wesh les gars. Alors là avec Camille on est les genouillères parce qu'on les avait pas du tout. Enfin moi j'avais ça, regardez. C'était Asics, genre elles sont toutes fines. J'avais mis en dessous du pantalon, ça protège pas du tout. Pas du tout. Mais du coup lui il met des genouillères corps. Exact. Voilà, elles sont très bien. Dispo chez CDK. Ah, il faut acheter Game Protection. Game Protection à Grand Scooter Shop. Chez CDK, chez UDS et chez Grand Scooter Shop. Ouais. Oh le malade. Wouh. Wouh.
Ah, dites en commentaire combien il y avait de whip là. Même lui, il sait pas. Oh là là, mais quoi? Oh. Mais gros! Putain! Oh! Ah. Oh! Les codes ou la rampe? Les deux. Yeah. Wow. Wow. Ça va, gros? Oh, oh! Ah, oh! Yo! Voilà! Oh! Oh! Ah. Il était vraiment à la zub, genre. Je crois, les gars, j'ai pas du tout gapé le step-up. Genre, vraiment pas du tout. Apekis, ekis, ekis. Hein? Apekis, ekis, ekis. Équipe, équipe, équipe. Je sais pas sur la boxe. C'est tout, c'est normal, tranquille. Bah ouais. La boxe, elle fait 3 mètres de long, mais vas-y. Eh, hey, c'est quoi? Si tu le mets, je le fais. Let's go. Oh! Chiche! Let's go. C'est fini. Allez. First try. Ok. D'accord. Ok, j'ai trop bien cadré. Chiche. Oh, je peux mettre un. Yo. Oh. Oh là là! Oh. Yo! Voilà! Oh. Wesh les gars, bah, là, Camille se prépare, il va faire un truc de fou! Genre, truc. Pourquoi faire? Les gens ils se disent pas, ouais, je vais faire ça! Il va essayer backdrop de là jusqu'au caillou! Mais what the fuck, gros, first try! Ok, les potes, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que là, on a fini de faire les échauffements, les tricks, vous avez capté, on a fait plein de lines et tout. J'espère qu'ils vous ont plu. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un add-on sur le spine et la mini. Donc, je vais vous montrer là tout de suite. Donc, voilà, on va faire un add-on sur ça et ça. Donc, comme vous avez compris, par exemple, moi, j'impose un tricks là. Loni, il va faire le même tricks là. Il impose un tricks là. Puis Aurélien, il va le faire, etc. Vous avez compris. Voilà, comme ce magnifique Aurélien. Voilà, un tricks là et après un autre tricks là-bas, vous avez capté. Voilà par exemple. Et on fait ça jusqu'à ce que tout le monde ait perdu. Donc il y a un try. Tu rates le tricks, t'as perdu. Ouais, non, tu fais un try et un bonus ou pas de bonus? Vas-y, oui, un bonus. Non, pas de bonus, vas-y. Un bonus, non, pas de bonus. Un try, pas de bonus. Vous êtes chaud, on le fait maintenant? Shifumi les gars, Shifumi pour savoir qui c'est qui commence. Shifumi. Ok, du coup, premier, Loni. Deuxième, Aurélien. Et troisième, moi. Du coup, là, c'est Loni qui va commencer par imposer un tricks sur la grosse courbe là-bas. C'est parti. Par contre, on a oublié de préciser aussi, si on rate le tricks, on impose genre à ce tour, donc là, lui, c'était fonderie à ce moment-là, tu perds pas. Donc là, il est toujours en jeu gagnant. Finger. Bah, il est mort! Loni mort! Je rate, c'est fini. Ouais. Par contre, si tu le mets, tu vas faire la grosse. Je le mets, les gars, j'impose full whip. Je sais pas faire, gros. Et chier, que si je mettais, je me faisais full whip. Je sais pas faire non plus.
Oh yes. Non. Yes. Donc les gars, Loni il est mort là tout à l'heure. Et Aurélien il vient d'imposer full heal. Je sais pas faire ce tricks mais je vais jouer le jeu. Je vais essayer, écoutez, on va voir. On a fait le bar normal les deux, il a perdu. En tous les cas, t'avais perdu. Les gars, j'avais déjà perdu. Parce qu'en fait, on vous l'a pas montré. Là, vous avez vu, j'ai fait la line, j'ai essayé le full heal. Sauf qu'en fait, c'est passé un truc. C'est que ça, c'était le deuxième try de la line. Parce que sur le premier try que j'ai fait la line, je vous montre ce qui s'est passé. J'ai raté que le heal. Du coup, j'étais obligé de refaire, tu vois. Genre, sinon, la vidéo était nulle. Mais j'ai pris un karma, j'ai pas mis. Ouais. Donc, bien joué. Bon. Bien joué, monsieur Larry. Bien joué. Bien joué, bien joué. Bien joué. Loni, il est et aussi, bah, dans la deuxième line, il a fait bar au pot à la place de bar. Bon, je pense que vous l'avez entendu parce que j'ai dit pendant la deuxième line. Du coup, bah, il avait dans les deux cas perdu dans les deux fois. Même s'il m'était fouillé. Alors, du coup, on va refaire une game de la donne. Par contre, on n'a pas le droit de refaire les tricks qu'on vient de faire. Peu importe la courbe. Ouais, ok. Pas le droit de. Et aussi, pas le droit de pousser en fait tricks. Donc, okay. Si on gape la courbe, bah, on a gapé la courbe et puis on se démerde. Ok, vas-y, c'est parti. Mais quoi? C'est quoi? Backdrop, backdrop. Allez, backdrop, bag. Eh, vas-y, quoi? Backdrop, bag, backdrop. Eh, hey, quand on s'énerve, on fait des backdrops. Eh, hey, les gars, quand vous êtes énervés, là, quand il y a un pote, il vous impose un truc un peu là, pupite et tout, vous les captez. Backdrop. Vous arrivez, faites backdrop, backdrop. Wow! Encore! Du coup, c'est à moi de faire la line. Alors, on a dit, les gars, on a dit hors caméra. Ouais, on fait un chill pour comme ça il dure. Ok, mais. Et triple heal, les deux, ils le mettent flat et pas moi. Attends, on a pas essayé encore. Donc, j'ai pas fait la p parce qu'ils le mettent flat et pas moi. Bah les gars, je vous jure, moi si je mets la line, la petite de one, d'après, il va finir dernier comme sur la première. Oh. Franchement, si t'avais pas raté la speed, tu l'aurais mis. Oh, monsieur Rabin, monsieur. Non, je bah, ça, c'est la faute de Loni là. Oh, Loni, Loni, je vais le briser. Vas-y, backdrop, backdrop. Oh. Avec ta casquette là. Ok, donc les gars, là on a fait deux manches. La première manche, c'est Aurélien qui l'a gagné. La deuxième manche, c'est Loni qui l'a gagné. On va faire une dernière manche. Quand je gagne pas, je leur paye McDo à tous les deux. Oh, Aurél. Go faire des bar twistil. Mais gars. Il commence en premier. Eh, je commence en premier. Mais, mais mec, il va faire un brick butter, je sais pas. Vas-y, ça filme. Je pense que c'était un peu trop fort. Bah gros. Laisse-moi mettre mes genouilles gros. Ah les gars, j'avais dit quoi? J'avais dit si je commence, si je perds, je paye McDo. Eh, je perds pas. Ils ont fait les putes. Ce sera au montage. Moi je suis pareil. Attendez. Attends, je suis énervé. Ah, backdrop. Eh, je suis vénère. Ouais les gars, du coup, étant donné que je suis sûr et certain que Loni il va pas le mettre. Parce que bah il sait pas faire du brimoteur. Et que si j'ai une chance moi de le mettre, si je le mets, j'impose flare whip parce que. Tu sais faire flair, voilà. Ok, après, faut voir la speed, ouais. Vas-y, Aurélien. Juste, il teste la courbe. Ah, ça devrait le faire. Ouais. Ah, pour un McDo, on fait tout, nous, hein. Ouais, je leur dis, si c'est pas moi qui gagne, je paye à Loni et Aurélien le McDo. Avec la YouTube Money en plus, hein. C'est grâce à vous, les gars. Oh! Oh! Attends, t'as pas gagné mon ref, t'as pas gagné encore. Bon, j'essaye pour l'honneur, mais de toute façon, je mettrai pas le flaoui pour le boy butter. Nope. Loni mort. Ça va se jouer entre nous deux, les gars, c'est parti.
droite. Oh, j'avais pas, je pensais pas mettre le fairway, puis je suis énervé encore. Je suis encore énervé, gros. Oh, oh, dans la merde un peu là. Ouais. De toute façon, j'ai perdu, mais possible, tu as le McDo entre tes mains là. Faut que je trouve un truc en calage ou quoi, tu sais. Ouais, faut mettre où ils font ce plus pro foot. Ça veut, mais. Peut-être. Remettre le bruit moteur. Et le fairway. Et le fairway, c'est le plus chiant. Waouh, le fairway, c'est. Eh, je vais pas payer 2 McDo, les gars. Enfin, 3 McDo. À un moment, tu mets les light heel, je dirais rien. Moi, je dis rien, gros. Pour 30 euros, je dis rien, moi. Non, je dis rien. 30 euros ? Tu manges pour 10 balles, moi ? Hein ? Moi, je mange pour 5 balles, frère. Tu manges pour combien? 15 balles. Oh, mais quel rat! Eh, hashtag le nid le rat dans les commentaires, s'il vous plaît. Allez, Aurélien, ça par contre, c'est. Ah. Non, c'est ça possible. C'est plus facile possible. Bon, c'est l'heure. Bon, là, je vais payer 30 McDo. Yes! J'ai gagné! Il y a un backdrop là, t'es vénère là. Oh! Pouah! Non, non, non! Ok les gars, du coup là j'ai gagné la manche. Du coup tout le monde a gagné la manche. Et je vous jure que cette vidéo n'est pas truquée. Bon tout à l'heure c'était truqué la pro line que j'ai refaite, mais là c'est vraiment pas truqué. Du coup on va partir sur une quatrième manche. Et celui qui la remporte, celui qui la remporte, il gagne un McDo de moi. Genre si moi je remporte, je me paye en McDo. Si Loni la remporte, c'est Loni qui a un McDo. Et si c'est Aurélien qui remporte, je lui paye son McDo. Donc voilà, c'est parti. C'est moi qui commence. Aurel deuxième et Camille dernier. Ouais. Ok. Oh les gars, j'ai jamais fait le premier tricks et le deuxième tricks. Le deuxième tricks, je sais même pas le faire non plus. Donc je sais pas ce que ça va donner. Hein. On va voir, je vais essayer. Déjà, il a été gentil Aurel, il a compté le invert. Hein. Dans tous les cas, le invert, je l'ai pas fait, genre mon. Le can invert. Dans mon coude. Donc j'ai perdu, je vais devoir payer un McDo à un de ces deux loustiques. On va voir qui c'est qui gagne. Dites-nous en commentaire là, à votre avis, qui c'est qui va gagner. Moi je pense que. Hein ? Ouais, bah moi je suis encore énervé. Je jure, je suis encore énervé, gros, ça me casse les couilles. Allez. Dites en commentaire combien il y a eu de backdrop dans la vidéo. Ah ouais, 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 dites en commentaire combien il y en a eu. Mais moi je sais plus, gros. Allez, c'est parti les gars pour le McDo. Dites en commentaire qui c'est qui va gagner à votre avis. Moi les gars, je pense que c'est Loni qui va gagner en vrai. Moi je pense que c'est Loni. Mais quelle insolence, ça compte pas ça. Oh. Ok Loni, tu commences. Allez, c'est parti. Ok, magnifique. Oh. Oh, il a raté. Ok, donc là les gars, comme on a dit, il est pas éliminé Loni, il a juste raté le trick s'il voulait imposer. Du coup c'est simplement à Aurélien de refaire la line et d'imposer un trick. J'ai fait des whips là. Trop stylé, ok. Oh, oh, bar twist whip. What, c'est de faire des deux sens. Du coup Loni, toi tu dois faire. Explique à la cam, toi tu dois le faire dans quel sens? Alors moi mes bar twist je fais comme ça de base. Ouais. Je devrais le faire comme ça. Mais je sais pas faire en courbe, juste bar twist topo déjà. Et si tu le fais en bar twist whip normal, tu pourrais le mettre? Oui. Moi je dis que pour la beauté de la vidéo. Non, j'essaie en normal. Ouais, moi je dis que pour la beauté de la vidéo, si le mets comme ça, ça compte. Et, allez Loni, tu le fais comme ça, si tu le mets, c'est tu le mets. Ok. Ok. Quad whip. Quad whip. Allez, allez, Aurélien, à toi. Mec, t'es chauffeur. Invert, ok. 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 Oh, purée. Et wesh, c'est trop chaud, ref. Allez Loni, j'essaye mais je pense pas que j'arrive. Sauf moi je préfère backdrop parce que. T'es pas énervé là? Il est énervé mais il veut pas le faire backdrop. Bon, un jour il le fera, je vous jure un jour il le fera. Ok. Okay. Ouais j'ai entendu. Ah il est mort! Mort! Allez backdrop, 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 backdrop! Allez encore, 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 encore! Oh non, la pluie.
bon. Les gars, du coup, là, on est au McDo. Addition salée, hein, comme on peut le voir. 34,50 €. En fait, j'étais sympa, j'ai pris le McDo 2. En vrai, je suis sympa. Donc, on va voir, ça. On va voir si la carte passe. Hein. Ça flingue. Bon, les gars, il est bon ce McDo ou pas? Il est bon et mérité. Ah, voilà, là, il est bien mérité. Et Loni, là, alors, du coup, lui, il vient de Suisse. Est-ce que le McDo français, il est bon ou pas? Est-ce que c'est mieux que le McDo suisse? Dis-nous tout, là. C'est équivalent. Moins cher. Mais beaucoup moins cher, hein, parce que ça, les gars, en France, vous voyez, genre, un menu comme ça, genre, ça vaut 10 balles. Genre, en Suisse, mec, t'en as pour 19 balles le menu, genre. C'est n'importe quoi. Ah ouais, vraiment. C'est naze. McDo, bien mérité, les gars. Ok, les gars, du coup, là, on est sur le train du retour. Et regardez ce qu'on a fait, on est passé à Casino. On a imprimé plusieurs photos, vous allez dire laquelle vous préférez dans les commentaires. Donc première photo, c'était nous là au Carrefour. Regardez la tête de Loni, elle est incroyable. Regardez ce qu'il y a sur la tête. Ouais, mais ça c'est ma casquette, depuis tout à l'heure je l'ai. Depuis tout à l'heure, les gars, depuis tout à l'heure je roule avec cette casquette. Je sais pas si vous avez vu, mais elle est incroyable. En plus le pire, les gars, c'est que vous allez même pas me croire, mais genre Carrefour ils me l'ont donné, tu vois. Genre, trop sympa. Pas vrai qu'ils me l'ont donné? Bah les gars, écoutez, genre c'est un truc de fou. On est là et tout, à la caisse. Et genre, il avait la casquette sur la tête, tu vois, parce qu'il avait oublié de la poser, parce qu'on avait un gros délire, regardez sur la photo. Ouais, c'est pas la même, mais genre on avait un délire. Et là, la meuf dit, oh. Du coup, elle dit, oh. On va être gentil. Et on dit, ah merde, on a oublié de la poser. Et elle fait, oh, je vous la donne, les gars. Franchement, c'est la maison qui paye. Oh. Ensuite, il y a la petite sœur de Aurélien. Wesh. Ensuite, il y a une petite photo. Et ça les gars, c'est Mowgli quand on était au Carrefour à Noël, c'était incroyable. Et là, putain, grosse pensée à mon pote Simon. On a imprimé la photo quand il s'est cassé la cheville. En vrai c'est horrible. En vrai c'est horrible. Regarde. Oh, c'est qui lui? En plus c'est moi qui filme. Mais oui, c'est moi qui filme. Oh, en gros c'est horrible. Mais t'inquiète, sa tête elle a pas changé. Son Insta il est marqué juste là, les gars. Allez, follow Simon en masse, les gars. Le pauvre s'est cassé la cheville. Les gars, on est dans le train, on a envie d'essayer back. Genre là, mais genre tu vois, le train il est en train de bouger. On a envie d'essayer back, genre là. Vas-y, filme Loni. Les gars, si je meurs maintenant, sache que je vous aime beaucoup. Attends, mais on freine là en plus. Vas-y. Je le fais quand même ou pas? Vas-y. Mais si ça me fait freiner, attends. On attend après coursant. Non, vas-y. Maintenant, 3, 2. Je vais pas taper, non? Mais non! 3, 2, 1. Oh yes! Vas-y, on revient la line. Allez, on revient. Je m'en bats les couilles, frère. Oh! T'as vu? Oh mec, voilà, frère. Let's go. Bon les gars, sur ça va être la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Vous me le dites en commentaire, je réponds à tous les commentaires, vous savez, dans toutes les vidéos. Là. Les gars, n'hésitez pas à aller checker l'Instagram des deux loustiques. C'est Doré dans la rue, juste là, celui de Loni derrière la cam. Le winner c'est moi, on vous l'avait dit les gars. Ouais, du coup ouais, celui qui a gagné le add-on, donc la vidéo c'est Aurélien. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker. Qui a gagné un McDo de Camille? Non, mais je vais payer un McDo aussi. N'hésitez pas à aller checker mon Insta, il est marqué juste là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On passe les 50 000 abonnés avant 2023. Je compte sur vous les gars. Et